while we listen to tunes made by ignorant fools. Israel blocked the UN from delivering food. They bring in the troops and you won't even glimpse of the news. They make money off the products that we're quick to consume. And it's not simply a question of differing views. Forget emotions, this is facts. What I spit is the truth. Makes no difference if you're a Christian or if you're a Jew. They're just people living in different conditions to you. They still die when you bomb their schools, mosques and hospitals. It's not because of rockets, please God, can you stop this all? I'm not related to the strangers on the TV, but I relate, cause those strangers could have been me. Words can never ever explain the raw tragedy. It's not a war, they're just murdering more rapidly, and we are automatically supporting pure savagery. Imagine how you feel if this was your family. The fact is, that's the type of thinking I can't trust, let alone even start to respect. Before you talk, learn the meaning of that scarf on your neck. Forget Nestle, Obama, promise Israel 30 billion over the next decade. They're trigger happy and they're crazy. Think about that when you're putting Huggies nappies on your baby. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they... Le service neurologie au CHU Mustapha, elle répond à toutes nos questions. La sclérose en plaques est une affection neurologique chronique liée à un dysfonctionnement immunitaire. Ce dysfonctionnement immunitaire va concerner essentiellement la myéline, qui est le principal conducteur de l'influx nerveux. À partir de là, on comprend qu'il y ait des signes neurologiques liés justement à cette atteinte. C'est une affection qui peut se manifester par divers signes. Alors, vous pouvez avoir des troubles visuels, des troubles moteurs, des troubles de la sensibilité, des troubles sphinctériens, des troubles de la mémoire, de la concentration. Alors, il faut savoir que cette affection touche les tranches d'âge entre 20 et 40 ans. C'est-à-dire que c'est une affection de l'adulte jeune, en plein projet de vie. Et quand on sait que c'est la première cause de handicap chronique chez l'adulte, on comprend les dégâts que peut entraîner cette affection. Il faut savoir aussi qu'elle touche préférentiellement la femme. On a en général 2 à 3 femmes pour un homme. C'est une affection qui par la suite va évoluer sur un mode chronique. On peut avoir 2 types de sclérose en plaques. Globalement, il y a la forme rémitante, récurrente rémitante, et il y a la forme progressive. Alors la forme rémitante, elle va se manifester par divers signes, des troubles visuels, des troubles sensitifs, qui vont survenir et durer pendant quelques jours, quelques semaines, et puis disparaître, soit complètement, soit partiellement. Et puis, quelques mois plus tard, il va y avoir survenu d'autres signes. C'est ce qu'on appelle la forme rémitante, parce qu'entre les deux poussées, il y a une rémission. C'est la forme la plus fréquente. La deuxième forme, c'est la forme progressive. سنويات الشيء الآخر أنه عفى سرطان الثدي هو أقل السرطانات أكثر انتشاره ولكن أقل من الحب عز وجل أكتبون عليه وسارعوا إلى مغفرة من الله أعمر السماوات والأرض وسارعوا إلى هذه الطريقة فتحة من جنة بإذنك مراح يا مظلوم ارتاح عمر الحق مراح.
بشر ولا تكره أحدا أبدا، فكل من أراك أعطاك درسا مهما طبق الذهب. ماشي يا أجمل، ونفهم لكم صحة وعافية لكل من يرتشي قهوة وشوكولا الصباح. نسيم أحبابنا